À la tête de 4,8 millions d'abonnés sur Instagram, la mannequin est un véritable exemple pour les jeunes filles et femmes du monde entier. Fondatrice de 4 entreprises, dont un restaurant, une marque de spiritueux, ainsi qu'une marque de vêtements et de masques, Olivia Culpo s'apprête à ouvrir un nouveau restaurant au cours de l'année 2020. Une belle réussite grâce à ses fans, auprès desquels elle reste proche. Influenceuse pour de nombreuses marques depuis sa victoire à Miss Univers, la jeune femme ne perd pour autant pas de vue que ses abonnés n'ont pas forcément les mêmes moyens financiers qu'elle. Propriétaire d'une marque de vêtements et de masques venant en aide aux femmes dans l'incapacité de s'acheter des protections hygiéniques grâce aux achats, Olivia Culpo collabore également avec des marques pour toutes. Loin d'être une mordue de pièces de luxe, la mannequin n'hésite jamais à acheter et porter des ensembles accessibles à tous. Le 12 mai dernier, l'ancienne reine de beauté s'est offerte une après-midi détente sur la plage de Malibu, à Los Angeles, l'occasion de sortir l'un de ses bikinis préférés, un haut triangle et un bas type tanga hippie, de la marque mondialement connue Boo. Un ensemble de bain à seulement 20 euros, que la jeune femme était très fière de porter, en compagnie de son petit chien. Ses fans vont être ravis de voir qu'ils peuvent une nouvelle fois s'offrir la même tenue que la mannequin, sans se ruiner. On vous laisse le découvrir en photo dans le diaporama ci-dessus. Voir aussi, la rédaction à lire aussi à blog test. Why?